Bonjour à tous les amis, nouvelle semaine, nouvelle vidéo et cette semaine ça sera une semaine particulière puisqu'on va faire du tableau noir, on va vraiment parler tactique et aujourd'hui le premier épisode c'est comment jouerait le Real si Haaland venait à signer dès l'été prochain. Je vais vous proposer donc plusieurs schémas tactiques, voir les points forts, les points faibles et tirer une conclusion. Si Haaland vient à signer au Real Madrid, dans quelle disposition tactique devra jouer le club l'année prochaine. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez toutes les infos sur le Real, c'est facile. Vous avez juste à télécharger le premier lien en description et vous aurez absolument toutes les infos sur la Casablanca. Les infos mercato, les infos du calendrier, des résultats, des statistiques. Bref, l'actu complète du Real. L'application est gratuite et je vous mets le lien donc en description. Donc, comme je disais en introduction, semaine spéciale tableau noir. Aujourd'hui, on va donc faire le Real avec Haaland. Demain, on aura l'épisode le Real avec Mbappé. Et à la fin de ce deuxième épisode, on pourra déjà tirer des conclusions et savoir est-ce que le Real doit plus recruter finalement le Norvégien ou le Français. Mercredi, si j'ai le temps, on fera un épisode sur comment jouerait le Barça s'il venait à signer Haaland. Là aussi, on verra les points forts, les points faibles et voir si finalement Haaland serait plus enclin à jouer du côté de Madrid ou du Barça. Je vais donc vous montrer trois dispositifs tactiques aujourd'hui, trois dispositifs utilisés par Zidane qui, selon toute vraisemblance, devraient continuer jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire fin 2022. Mais on n'est pas à l'abri qu'il soit limogé en cas de saison blanche. Donc le premier système utilisé par Zizou, c'est son fameux 4-3-3. Si on met Haaland dans ce dispositif tactique, qu'est-ce qui se passe? Donc on part sur le gardien Courtois, ça c'est du classique. Carvajal, Mendy sur les ailes, pareil. Et on admet que Ramos prolonge et donc reste l'année prochaine en défense centrale avec Varane. Au milieu de terrain, je pars sur un milieu à 3. Mais là, peu importe les joueurs, j'ai mis Casemiro, Kroos, Odegaard. On peut remplacer le Norvégien par le Croate et mettre Modric. Au niveau de l'attaque maintenant, Haaland ne jouant que dans l'axe, si tu mets Haaland dans un 4-3-3, ça veut dire que tu te passes de Karim Benzema. En effet, le Français ne pouvant jouer sur les côtés est un joueur d'axe, tu ne peux pas avoir donc dans le 4-3-3 Haaland et Benzema. C'est un premier problème. Sur les ailes, Hazard, Asensio, mais là pareil, c'est pas très important. Et le problème finalement qui va se poser avec ce 4-3-3, c'est la zone que j'ai encadrée en rouge et que vous voyez, c'est finalement la zone entre les deux Norvégiens. Cette zone sans création, sachant que les milieux que je vous ai montrés du Real sont quand même des milieux qui se projettent assez peu. Haaland n'a pas les qualités d'un Benzema de 9,5, c'est-à-dire d'un attaquant qui va redescendre vers le milieu de terrain pour aider à la création du jeu. Haaland est un pur finisseur. Donc finalement, on se rend compte que dans ce 4-3-3, bah, tu te passes de Benzema et niveau création, tu as un certain problème au niveau de la zone entre le milieu et l'attaque. Passons désormais à un 4-4-2. Donc là, pareil, le même gardien, la même défense et donc sur un milieu à 4, je pars avec Hazard, Modric, Casemiro, Vasquez côté droit. Peu importe les milieux là aussi, on pourrait mettre Valverde et Kroos, ça ne change pas grand-chose. Mais là, avec ce dispositif tactique, j'ai noté deux problèmes. La zone entre la défense et le milieu, et la zone entre le milieu et l'attaque. En effet, on a souvent vu que le Real est un club qui laisse énormément d'espace entre les lignes. Avec seulement deux milieux centraux, tu prends le risque d'être dépassé dans les phases défensives et de ne pas être assez présent dans les phases offensives. Bien, offensive. Très bien, c'est la 30 000 euros. Je choisis la solution offensive. C'est donc pourquoi, à travers les flèches, vous allez voir les mouvements des joueurs, c'est-à-dire que Mendy prendrait le couloir gauche pendant qu'Hazard viendrait donc un peu plus dans l'axe et dès le milieu de terrain. Benzema reviendrait dans la zone du rectangle jaune, justement apporter sa créativité. Casemiro, lui, pourrait redescendre en tant que numéro 6 pendant que Vasquez viendrait donc un peu aider la partie centre du terrain. Et alors à ce moment-là, Carvajal viendrait prendre l'espace côté droit. Le foot, c'est simple, c'est la gestion de l'espace et la gestion du temps. Si un joueur se déplace dans une zone, il faut que l'espace créé par le joueur serve à un attaquant ou à un ailier. Et ça, tu peux le transposer sur toutes les parties du terrain. Donc, conclusion pour le 4-4-2. Tu as des failles, mais tu as moyen avec Karim Benzema de revenir au milieu de terrain et à Casemiro de redescendre dans la zone entre le milieu et la défense pour compenser les faiblesses de ce schéma tactique. Donc pour l'instant à choisir, je préfère un 4-4-2 donc avec Benzema et Haaland plutôt qu'un 4-3-3.
Et le dernier schéma tactique donc que j'ai choisi, c'est le fameux 3-5-2 que Zidane utilise de plus en plus. Courtois dans les cages, ça ne change pas. Ramos, Varane. J'ai rajouté Alaba qui pourrait jouer défenseur central gauche, poste qu'il occupe actuellement du côté du Bayern. 3 milieux centres, la triplette classique, Kroos, Casemiro, Modric. 2 pistons sur les côtés, donc Mendy et Carvajal, qui auraient là l'avantage de profiter des phases offensives, mais surtout de ne pas faire que défendre, étant donné que ça serait compensé par Alaba et Varane. Et surtout, 2 pointes, Haaland et Benzema. Haaland, Benzema, tu retrouves un peu Ronaldo, Benzema, c'est-à-dire un joueur qui va utiliser l'espace, la vitesse et la finition, Haaland, et un joueur qui va créer le décalage et aspirer finalement la défense adverse en redescendant d'un cran, donc Benzema, et en libérant un espace donc devant lui dont Haaland pourrait profiter. La gestion de l'espace et la gestion du temps. Alors je ne suis pas un pro des tableaux noirs, mais à travers en tout cas les 3 que je vous ai montrés, je choisirai le dernier, c'est-à-dire le 3-5-2. Tu as 3 centraux, donc Alaba, Ramos, Varane. Tu as une meilleure donc assise défensive. Tu gardes ton milieu de terrain qui est ta force, Casemiro, Modric, Kroos. Tu as 2 pistons sur les côtés que sont Mendy et Vasquez. Et enfin, tu peux utiliser tes 2 stars, tes 2 attaquants, Haaland et Benzema. Point négatif tout de même à signaler sur ce schéma tactique, tu n'as pas d'ailier, donc pas d'Hazard, pas de Vinicius, pas de Rodrigo, pas d'Asensio. Donc c'est un schéma tactique que tu pourras utiliser de temps en temps, mais vu l'effectif du Real, je ne pense pas que ça soit un schéma à utiliser à long terme, sauf si tu décides de vendre justement ces ailiers. Vous l'aurez donc compris, j'ai une préférence pour le dernier schéma, le 3-5-2, mais dans le football moderne, dans le foot d'aujourd'hui, se baser que sur un schéma tactique serait une grave erreur. Pour surprendre l'adversaire d'une part, pour ne pas être trop prévisible et pour améliorer l'intelligence tactique de tes joueurs. Tes joueurs seront malheureusement limités tactiquement. Tout le contraire par exemple d'un Nagelsmann qui fait jouer ses joueurs dans plein de dispositifs tactiques, 10 voire 13 la saison dernière, c'est monstrueux. Ces joueurs sont capables de s'adapter à n'importe quelle situation. Tu joues tel adversaire, tu utilises le 4-4-2. Tu joues tel adversaire, tu utilises le 3-5-2. Donc ce que je pense, c'est que Zidane ou un autre entraîneur en cas de venue d'Haaland utilisera plusieurs schémas tactiques. Tout le contraire, par exemple, de ce qu'a fait Zidane lors de son premier passage, qui a toujours joué quasiment en 4-3-3. Dans son nouveau passage, on voit qu'il tente plus de choses. Alors peut-être qu'il a moins les moyens de briller qu'auparavant avec les départs de Ronaldo, etc. et qu'il veut compenser ce manque par de nouveaux schémas tactiques, mais c'est vrai que Zidane tente de plus en plus le 4-4-2, le 4-3-3, le 3-5-2 récemment qui apporte une certaine nouveauté et surtout beaucoup d'avantages à ce club. Conclusion avec Haaland, le 4-3-3 est selon moi à bannir et tu peux alterner avec un 3-4-3, un 3-5-2, un 4-4-2. Donc voilà les amis pour cette première vidéo tableau noir concernant le Real. Bah donnez-moi votre avis, comment devrait jouer le Real si d'aventure Haaland venait à signer au club l'année prochaine. J'attends vos retours avec un patience, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis donc à demain pour l'épisode 2, comment jouerait le Real si Mbappé venait à signer au club. Ciao les amis.